justement maquette bulletin de vote là, moi viens confirmer photo moi pour dire que moi d'accord à toute information et toute bagaille. C'est la même photo que le public connaît déjà. Hein? Et ça me capable dit c'est photo fille avec lunettes là parce que deux l'autre mais pas gain lunettes. Mais nous connaissons dans l'élection passée, le bulletin a été imprimé dans le pays étranger. Est-ce que vous, même en tant que candidat, il y a des gens qui ont fait plaidoyer pour impression bulletin fait en Haïti? Est-ce que vous avez d'entrée de jeu, je suis capable de dire que je suis d'avis pour faire ici. Mais je ne connais pas tous les critères qui font que vous avez fait l'autre bord. Peut-être que vous êtes capable de gagner des réflexions que vous faites. Mais je pense que yo, c'est des responsables. Je fais confiance et je fais plus confiance. Je fais CEPSA plus confiance toujours. Parce que je vois qu'ils sont ouverts. Hier, j'étais à une réunion avec eux, avec des candidats et des chefs de partis politiques. Et je leur fais confiance parce qu'ils sont ouverts, ils prennent des conseils. Ils écoutent tout le monde, ils donnent leurs opinions, ils disent exactement qu'ils savent. Je pense quand même qu'il y a beaucoup plus de confiance à faire à ce CEP. Et ça rassure quelque part les candidats et les candidates. La présence, moi, c'est que le CEP a demandé, je viens confirmer ma question, je viens dire que je viens regarder, moi, que ma question est très bien, donc pas de problème, donc j'avance. Pas de changement côté non hein? Non, c'est même photo yo, c'est même CEPA, même travail là qu'a fait, qu'a continué puisque dossier là. Mm-hmm. Mais jusqu'à présent comment on regarde processus là, mise en application calendrier électoral là. Jusqu'à présent, je pense que monsieur a avancé et nous t'ai réuni avec yo, nous rencontré avec tout staff yo, j'ai expliqué nous et surtout à faire mandataire qui est extrêmement important. Donc je pense gagne en pile diffusion de d'informations qui permettent que le processus là passe très bien et monsieur Odinon qui progrès qu'il a fait côté mettre en phase et spécialement sous affaire règlement qui pas de gagner qui était créé en pile confusion qui fait que la BCEN BCED te gagne en pile décision tête chat qui baille et nèg expliquer non que fois ça à cause du règlement qui ont metté yo mette en place bagapi bien passé et c'est ça justement confiance à nous besoin là au CEP qui a fait travailler correctement pour que nous jouions une stabilité dans le pays parce que nous tous connaissons que mauvaise élection by instabilité et by problème pas qu'à investissement et gros le bagage que nous apprenons tout qui est extrêmement bon que monsieur Odino il a fait bulletin en Haïti. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'argent a prêté en Haïti et ce n'est pas l'argent blanc qui parle du Dubaï, qui parle de l'autre côté. Donc l'argent a prêté en Haïti et le business est capable de fonctionner en Haïti, on est capable de manger et l'argent a circulé en Haïti. Donc, ce qui est la dernière fois pas fait. Donc jusqu'à date, vous êtes satisfait de déroulement du processus électoral? Bon, jusqu'à présent, M. Baba, il n'y a aucune raison de douter que il y a une bonne élection qui prend le fait, des fois ça, dans le travail local. Et c'est l'argent haïtien, le processus haïtien que nous avons récupéré et que nous avons supporté d'ailleurs. L'important pour que nous-mêmes, haïtiens, nous mettions ensemble pour nous lever des défis qui en face de nous. Là. Défis que nous sommes capables de prendre, destin nous en main, nous capables de faire élection nous-mêmes et nous sommes capables de faire bon genre résultat, mais ce n'est pas un résultat malachon pour que des intérêts étrangers viennent à pas appuyer parce que. Et la plus bon pour yo. Est-ce que vous avez fait alliance dans le cadre de vos élections? Bon, nous ouvert pour toute bagaille et quoi me dit vous, l'heure pour que nous tous candidats, et c'est pas candidat seulement, nous mettez Haïti devant messieurs. Et n'a pas des spectacles qui passent dans le parlement haïtien hein, côté que sur question de job, sur question de abolotcho. Image ça pas bon pour pays, elle pas mener nous côté, nous sommes la risée du monde. Donc, il faut que ça change, il faut que nous entendions. Nous-mêmes, nous parions pour nous faire alliance pour le pays d'Haïti, pour Haïti, pour que ça marche mieux. Le calendrier n'a pas avancé très bien par rapport à ce que planifié, par rapport à la date que nous avons fixée. Avant la validation de la maquette, il faut me rappeler nous que nous avons inscription parti politique qui fait fini, que liste parti agréée, on a supposé publier très bientôt. Pour la validation de la maquette, jusqu'à pour journée hier, là, nous sommes arrivés jusqu'à 15. Il y a 15 ou 27 candidats qui sont venus et dans le moment où je parle avec nous, là, nous sommes pratiquement arrivés à 21.
C'est pour me dire nous paraît en pile et nous pratiquement à 2h20. Ça veut dire son activité qui a avancé très bien. Comment ça a passé? Bon, nous toujours capables de son échange, son dialogue, côté que le candidat a gardé, il fait des suggestions, il fait des recommandations. Je suis capable de dire, hier particulièrement, il y a 3 ou 4 parties qui t'ont fait des commentaires dans le sens d'amélioration de la maquette. Je suis capable de dire, ça va avancer très bien. Nous avons 21 dans le moment que nous avons parlé là. Est-ce qu'il y a un qui m'a dit pour nous changer de photo ou de changer de photo? Bon, toujours qu'on a ça. Parfois, il y a un qu'on des changements de couleur de fond qui qu'on vraiment faire d'une autre façon. Mais parfois, il y a des parties qui viennent tout marcher avec CD et tout. Vraiment, je suis capable de dire, ça va avancer sans aucune difficulté. Vous avez une exigence ça aujourd'hui? Nous te joignons surtout hier. Et parce que je n'ai pas contacté le staff technique qui travaille sur ça. Effectivement, nous toujours, depuis c'est des exigences, bon, je ne vais pas dire exigences, depuis c'est des demandes, nous sommes capables de dire qu'il est raisonnable, nous sommes toujours prêts pour une bonne suite. Parce que son droit que le candidat a gagné pour l'assurer que ma capitaine répond à. Il est satisfait, quoi. Combien de temps période ça a duré? Bon, normalement, dans la dernière note de presse que j'ai signée personnellement, nous avons Jodia, hier avec Jodia. Nous avons dit 30 juin avec 1er juillet. Ça veut dire Jodia, faut ça t'a fini. Et comme moi, par exemple, ça veut dire que c'est objectif là, pas tenu. Derrick, quand le secteur qui a demandé, il y a un changement dans le calendrier électoral là, pour mettre toute élection finie à l'ISA. Est-ce que nous avons une possibilité de travailler sur ça dans le KIPA? Bon, nous, c'est une question qui vient de temps à autre que mon conseil répond à plusieurs reprises. Je ne crois pas que c'est une décision que nous avons été en l'air comme ça, nous fait, nous mettons des dates. Je capable de c'était un processus, c'était que un processus que nous avons fait de façon très minutieuse. Côté nous avons essayé de voir tous les facteurs, toutes variables avant de fixer nos dates. Ça veut dire fini en décembre, quand Jean-Pierre secteur Mandeli, bon, il est très bon. Mais en général, il y a une explication. Il ne faut pas oublier la phase contentieuse toujours quand il joue. Parce qu'après une élection, on a toujours joué peut-être des candidats qui ont demandé des clarifications, qui ont mis des documents, qui ont demandé pour venir. Et là, ça nous oblige à quitter vraiment un espace de temps raisonnable, surtout pour partie qu'il y a contentieux électoral. Ça veut dire pour ça t'a fait. Bon, nous répondons candidats, nous répondons observation électorale, tout le monde que nous voyons, ils comprennent et logique nous. Hein? Et jusqu'à présent, ils essaient de comprendre pour qui ça nous mettait date comme ça. Parce que j'aime là, nous comprenons vraiment que à première vue, les regards de et Carla Grand, mais ils ont logique. Et finalement, le calendrier détaillé, on a pu vraiment que des étapes assez précises pour toute date que nous mettons. Le bulletin de vote, il y a toujours imprimé à Dubaï. Bon, et sous un conseil là, quand les gens peut-être n'ont pas le nouvel liste, il y a d'autres médias qui publient le matin. Hein, et je crois que le président a des entrevues à plusieurs reprises. Sous un conseil là, c'est à privilégier le marché local parce que je crois que c'est une bagaille que. En pile, capable de dire, leader politique a demandé depuis longtemps que la population a toujours posé des questions pour qui ça s'est déjà obligé à aller, pour qui ça comme la parité vraiment pour les impacts sur l'économie haïtienne. Non, parce que nous connaissons, si ça arrivait, fait définitivement un bon impact positif sur l'économie. Mais en même temps, dépendamment des sources de financement, certaines fois qu'on est en situation pour respecter certaines normes, certaines procédures. Même capable de dire, vision conseil là, point de vue conseil là, c'est à vraiment. Privilégier le marché local, mais sans pour autant, les noms dit privilégier le marché local là, sans pour autant que choix ça pour le mettre en question, souci de qualité et respect des normes et le niveau de sécurité pour bulletin au gain. Vous dites ce conseil là, mais ce qu'il y a des garde-fous, nous mettez, vous savez, pour ne pas ouvrir appel d'offres là à marché international là. Bon, les noms dit, pas oublier que l'on a fait marché public, on m'a dit très clair, c'est un processus compétitif. Ça veut dire qu'on va arrêter au départ, on dit qu'on va X, Y, Z de marché. Mais en même temps, tout ça nous assure, nous, d'abord, et je suis capable de dire ces premiers documents que nous mettons l'accent sur. C'est assurer nous que les spécifications techniques qui ont développé, c'est des spécifications techniques qui, je suis capable de dire, qui sont raisonnables, qui répondent vraiment à besoin nous. Parce que ça qu'on arrive dans d'autres marchés, nous pas dit que c'est le canon pour ça. Parfois, les spécifications techniques qu'on mette à tellement compliquées, pays à tout à route. Mais nous-mêmes, nous assurons vraiment que ça nous met dans la spécification à développer, il répond à vrais besoins pour nous aller de l'avant. Et je me dis encore, pendant que nous avons un souci ça, pour nous privilégier le marché local, là, mais à aucun moment de la durée, nous ne pouvons pas mettre en question le niveau de sécurité que le matériel sensible ça a demandé, ni standard, ni des normes de performance pour nous respecter. Déjà, nous, le secteur privé, c'est ça? Si, nous, le secteur privé. Si nous, secteur privé.
Bon, nous pour le secteur privé, a eu des contacts avec nous. Ils ont montré nous au début, enfin, souci autour, volonté pour participer. Il faut me dire nous tout. Même ça, c'est expérience pas m'a parlé nous parce que je ne connais pas et je suivi ça de loin. Tu as gagné et imprimeur, tu as participé dans le passé. Mais très souvent, il y a un argument que peut-être dans le contact que nous faisons avec les gens qui sont dans le circuit, parfois, le marché local là, qu'on n'a pas de capacité pour répondre avec certains standards, etc. Parfois, ils disent tout, ces spécifications qui sont ambitieuses, égale marché local là, une bagarre. C'est ça que fait. Nous prenons le temps qu'il faut, maintenant, mais peut-être avec partenaires, pour nous assurer nous, que les spécifications qu'on a développées, pas bral au départ, mettez dehors, on capable de fournisseurs locaux. Mais nous restons pour nous faire travailler là avec le niveau d'objectivité, dans le respect des normes et des procédures, et dans respecter les standards de qualité que le matériel ça supposé gagner parce que nous n'avons pas qu'à jouer avec la partie ça, tout, l'aspect sécuritaire. On essaie, ouais, dernier point ça, et question reddition de compte. 27 candidats ça ont participé dans les prochaines élections, ils ont participé déjà, ils ont gagné l'état en main. Est-ce que son exigence au niveau que le conseil a posé pour gagner reddition de compte? Si oui, est-ce que le comment c'est fait déjà? Est-ce qu'il y a pratique fait? Bon, ça, c'est une réponse que je vais vraiment à titre personnel et plus particulièrement en tant que comptable agréé. Parce que le comptable agréé tout. Et en principe, s'il y a des avances des fonds qui te baillent, il y a une disposition réglementaire qui te dit que normalement, il y a des rapports que tu as supposé bailler qui sont certifiés par un CPA. Bon, je pense que c'est tout à fait logique à un moment de la durée pour nous atteindre l'objectif. Je vais dire une réponse personnelle, même si le conseil là pour statuer sur lui. Mais nous comprenons tout que le financement, ça tout est là, pas concerné uniquement CEP, il concerne tout le ministère de l'économie et il concerne aussi par extension la Cour supérieure des comptes. Même penser, c'est une démarche normale, d'autant plus que dans le pays, on a parlé ces derniers temps de reddition de comptes, on a parlé de documentation de dépenses pour éviter que les gens ne prennent l'argent de l'État pour gaspiller les gens, les gens pipito. Et je pense que c'est un signal assez positif. Si pour nous arriver là, d'autant plus qu'il y a une provision légale pour ça. Et nous avons clairement dit que ce sont des rapports qui pour travailler et certifiés par un comptable agréé. Là, nous disons comptable agréé, c'est un comptable agréé qui va prendre responsabilité tout, qui va signer n'importe quoi. Parce qu'à un moment de la durée, le supérieur des comptes doit demander pour le faire un audit de façon plus approfondie, il va demander aux pièces. Et là, ça, tout, c'est peut-être tout le professionnalisme, capable de dire réputation. Comptable agréé est capable de faire un intérêt, tout, font un bon travail. Et je pense que c'est tout dans l'intérêt du pays. C'est toute action que nous avons posée, l'aller dans le sens de promotion et reddition de comptes. Et je pense que c'est l'idée pour mener nous, ça nous arrive vers la bonne gouvernance. Mais vous avez financé la campagne candidat en décembre? Bon, nous n'avons pas de réponse là. Nous n'avons pas de réponse là pour le moment, mais ce sont des points que nous avons analysés et après, je n'ai pas avancé avec le calendrier. Vraiment, nous sommes capables de dire tout ça nous fait nous dans les délais et nous essayons vraiment anticiper toute intervention pour vraiment objectif nous fixer, nous sommes capables vraiment réaliser dans le délai exigé. Merci toutefois, tout à grand variable, contrôle la bombe et nous pas contrôler, c'est sûr, car il ne peut pas hésiter qu'un public là informé. Mais n'a pas avancé.